Le 24 février dernier s'est tenue au Grand Palais éphémère la nouvelle édition du Forum des travaux publics organisé par la FNTP. À travers des expositions, des ateliers, des job dating, des débats d'experts, tous les grands acteurs du secteur étaient présents pour répondre à la question cruciale de la transition écologique. La Fédération nationale des travaux publics a démontré sur cet événement majeur sa volonté de transformer la filière pour réduire ses émissions de CO2 de 40% à horizon 2030. La transition écologique est un enjeu pour notre filière. Il faut que dans les prochaines années, notre métier se transforme, pas seulement dans l'exécution, mais également dans ses usages. Pour nos collaborateurs, pour nos concitoyens franciliens, c'est important de réfléchir à cette décarbonation. Depuis 2 années, la Fédération des travaux publics travaille sur ce sujet et il était important de le résumer par un événement comme celui-ci. La transition écologique est également un enjeu d'un point de vue formation, d'un point de vue recrutement. C'est effectivement, on change de génération et il est important d'accueillir dans notre profession des jeunes. Et l'un des leviers pour réussir cette transition écologique est certainement l'innovation. En témoigne la multitude de solutions high-tech qui étaient présentées sur le forum cette année. L'objectif d'InfraDiag, c'est de faire du diagnostic de chaussée grandement, donc à l'aide de capteurs là, qu'on peut le voir sur le haut du véhicule, ou avec des smartphones type dashcam. Donc l'objectif, c'est de filmer la route et derrière de faire du relevé de dégradation grand rendement. Betty, c'est un projet de navette automatisée qui est dédié aux territoires ruraux, aux territoires peu denses. Donc on utilise comme support une navette automatisée, qui est une navette automatisée française, qui est construite par le constructeur Navia, qui nous permet d'embarquer 15 passagers. Actuellement, elle circule dans le Val de Drôme, qui est un petit territoire qui permet effectivement d'avoir une couverture entre différents petits villages. Nous, on apporte avec un robot de fraisage de poussée la capacité d'intervenir dans des réseaux de petite dimension avec des robots puissants, polyvalents. Un événement à la pointe des nouvelles technologies et au cœur des enjeux nationaux, puisque plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont tour à tour détaillé leurs propositions en faveur des infrastructures au service de la transition écologique. Avec ses 5000 témoins, la 3e édition du Forum des travaux publics a une nouvelle fois réussi à fédérer et dynamiser l'un des plus importants secteurs économiques du pays.